Bonjour les amis, c'est Serge 1965 qui vous invite à une belle capsule pour, on va parler bien sûr de ce qui se passe dans le monde, mais aussi on va parler du Seigneur Jésus. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ces capsules sont faites pour édifier les gens qui veulent connaître le Seigneur Jésus, qui veulent persévérer dans la foi. Je peux comprendre qu'il y a des incrédules qui écoutent, qui doivent se dire « Ah ben, ils sont bizarres ces gens-là, la science prouve ci et prouve ça. » Pourtant, moi, plus j'en connais à propos de la science, et plus je suis confortable avec le récit de la Genèse qui dit que Dieu a formé la terre, a créé le ciel et la terre, et a tout formé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. On le voit par le design qu'il y a dans la cellule, on le voit dans le design qu'il y a dans les astres. Pour avoir une vie intelligente sur Terre, il faut qu'il y ait un certain nombre de lois cohérentes, et c'est le Seigneur lui-même qui a tout fait. Et plus j'étudie les Saintes Écritures attentivement et avec intensité, plus on découvre que la Bible ne dit que la vérité, et le Seigneur Jésus le dit lui-même, « Ta parole est la vérité, sanctifie-la par ta parole qui est la vérité » au livre de Jean. Eh bien, chers amis, pour vous qui se joignez à nous et qui êtes probablement indécis par rapport à Jésus-Christ, j'aurais seulement le simple conseil de vous dire que plus que jamais dans toute l'histoire humaine, il est temps de prendre une décision par rapport à Jésus-Christ. Il est temps de mettre de côté votre orgueil qui vous empêche de vous commettre, de vous engager envers lui, et non pas envers une religion comme telle, mais simplement par déduction logique, en vous disant qu'à l'extérieur de la maison, il y a un ciel, il y a une terre, il y a une création. Vous avez l'âme, vous avez la pensée, vous avez l'esprit, qui sont toutes des choses non matériel ou non vérifiable matériellement, mais qui sont quand même là et qui sont vérifiables du fait que nous sommes différenciés des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons un code moral, nous avons un législateur d'une loi morale qui nous dit « tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et logiquement, je ne verrais pas pourquoi on prendrait le temps d'écrire 66 livres sur une période de 1500 ans si tout cela n'était pas vrai. Et cela demande simplement un cerveau qui est capable d'opérer un raisonnement cohérent, une déduction logique pour voir que oui, nous sommes le résultat d'un designer bien aimant. Et qu'il suffit simplement de se rendre à l'évidence que nous ne sommes pas le fruit du hasard et d'un arrangement incohérent du chaos, résultat de la boue cosmique qui s'est agencée par le fruit d'un accident ou d'une explosion où rien n'a explosé et a causé tout. Ça n'a pas de sens. L'intelligence que nous avons reçue n'est pas le fruit d'une évolution de millions d'années. Tout simplement, on n'a qu'à vérifier en science et de tout simplement poursuivre l'évidence où l'évidence nous mène. Et si l'évidence vous mène à voir que le design est tellement bien fait qu'il faut en déduire qu'il y a un designer, eh bien, il faut se rendre à l'évidence qu'il faudrait peut-être essayer de connaître le designer. Et c'est ce que ce designer, ce créateur nous demande, c'est que nous nous rapprochions de lui pour que lui se rapproche de nous. Et lorsque vous voyez des signes tels que des tremblements de terre, tels que prédits par Jésus-Christ lui-même en Matthieu 24, ça devrait vous dire, bon, ben, il est peut-être temps maintenant d'aller ouvrir la Bible et de mettre toutes mes présuppositions de côté, mes préjugés, et je vais aller voir ce qu'il en est. Parce que la Bible n'est pas un livre de religion, c'est la lettre d'instruction pour l'être humain, pour pouvoir vivre ici, parce qu'ici, ce n'est pas ce qui nous était destiné, car en Genèse, le Seigneur a dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Bien logiquement, lorsqu'on regarde à l'extérieur et qu'on voit des animaux s'entre-dévorer, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond,
Lorsqu'on voit des êtres humains s'entretuer comme en Libye présentement, on peut se dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et logiquement, ce ne serait pas de blâmer Dieu, mais de poser un regard sur nous-mêmes, l'être humain, notre condition de péché, due à la chute au Jardin d'Éden, et se dire, c'est à nous, mea culpa. Eh bien, le Seigneur veut qu'on se tourne vers lui présentement pour que nous soyons sauvés, parce que nous avons besoin d'être sauvés. Nous n'avons pas été créés pour être en permanence dans ce monde qui est sous la malédiction. Nous avons été créés pour, je dirais, depuis la chute, nous sommes nés de la volonté de la chair, mais nous sommes morts spirituellement. Et nous sommes donc appelés à rechercher le salut de Dieu pour ne pas mettre notre espoir dans l'homme, mais en Dieu, pour sortir de cette création qui est maudite. Parce que Dieu a un plan, non seulement pour ici, lorsqu'il nous sauve, mais pour l'après-vie. Et c'est le sujet à laquelle je vous appelle aujourd'hui. Il ne s'agit plus maintenant, aujourd'hui, comme les Anglais disent, « It's no longer business as usual ». Ça veut dire, si on traduit en français, il ne s'agit plus des affaires comme à l'habitude. Nous avons vécu pendant des siècles à essayer de nous faire un confort dans cette vie. Nous avons vécu le modernisme avec l'industrialisme. Mais maintenant, il est temps de revenir aux choses de base. L'être humain est un être moral et Dieu nous a donné un code moral par lequel vivre. Nous sommes maintenant donc dans cette époque de la fin des temps où nous avons des signes qui nous sont donnés, des tremblements de terre, comme je disais tout à l'heure, et des guerres et des rumeurs de guerre, telles que prédit en Matthieu 24. Il faut donc que l'être humain se rende compte, et ça prend des gens pour leur dire aussi, c'est ce que j'essaie de faire dans toutes ces capsules, c'est de vous dire, tournez-vous vers Dieu, à vous les incrédules, et demandez à Jésus qu'il se révèle à vous. C'est le temps plus que jamais, car Jésus revient bientôt, non pas pour sauver cette fois, mais pour détruire ses ennemis, ceux qui le rejettent, qui rejettent son œuvre salutaire à la croix. Il est temps de demander à Jésus que son sang qu'il a versé pour vous couvre tous vos péchés. Alors, c'est l'invitation aux incrédules à considérer que Jésus-Christ dit ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Il est plus que temps de l'inviter dans votre cœur et le faire maître et seigneur de votre vie. Lui demander qu'il vous guide, qu'il vous baptise de l'Esprit-Saint. Restez jusqu'à la fin, on fera une prière ensemble.